Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Darling, $4 is trying to find me. Worked hard on delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Moi, je ne pense que nord de l'Amérique, plutôt musique essentiellement anglophone. Je ne suis pas vraiment dans la culture musicale française. C'est ce que je vais essayer de mettre de plus en plus en avant maintenant pour le deuxième album qui approche. Et voilà, cet univers musical, tout simplement parce que famille de mélomanes qui aussi ne consomme que de l'anglophone. Un père qui a grandi sur du Deep Purple, des Dire Straits, du Creedence Clearwater, qui a assisté à beaucoup de ces concerts-là lui-même à l'époque, qui au berceau nous faisait déjà de la musique. Et donc voilà, tout cela, en fait, je pense aussi que ma famille m'a un peu mis en place vis-à-vis de ça. Et c'est super agréable surtout de le partager ouvertement sans aucune retenue du coup face à sa famille, ce qui était mon cas dans un premier temps avant de devenir professionnelle dans la musique. C'était mon premier public et en plus c'est pas forcément un public acquis, au contraire, loin de là. À chaque fois que je leur administre des choses, ils sont peut-être à mon goût un petit peu trop honnêtes. C'est ça en fait, ma torture vient vraiment de l'écriture en fait. C'est qu'aujourd'hui on se demande, avec tout ce qui a été dit, toutes les façons de le dire, toutes les langues dans lesquelles on les dit, tous les idiomes, on se demande vraiment quand on est chez soi avec sa guitare, putain mais qu'est-ce que je peux raconter d'intéressant? Et d'ailleurs je pense que la démarche même elle est faussée de se poser la question, qu'est-ce que je pourrais raconter d'intéressant? Normalement le fait d'être artiste ça suffit de simplement exprimer ce qu'on a envie d'exprimer, mais le problème c'est que je ne peux pas m'empêcher de penser au fait que ces chansons, pour moi, ne se résument pas à un produit, à un objet qui est un album. Au contraire, pour moi, une chanson, c'est plutôt la façon de l'aborder de scénique, quoi. Tiens, j'aimerais bien peut-être faire un peu de guitare et chanter plus tard. C'était On the Road Again de Kent Heat. Et en fait, on était dans l'Arizona en voiture. On vivait à l'époque aux États-Unis et mon père nous faisait faire un road trip. Et on était dans l'Arizona sur la route 66. Rien à voir à perte de vue qu'un ciel couchant orange. Et tout d'un coup, on entend cette première harmonica qui arrive sur une guitare très grave. Et c'est un truc ultra, ultra provocateur comme son, et je me suis dit ah, j'aime bien ce côté-là des choses, et c'était pas la musique en soi, c'était j'aimais bien ce côté-là de la vie, quoi, côté un peu noir, un peu blues, un peu triste, un peu voilà, et c'était mon premier rapport, donc au-delà de ça je sais pas ce que ça représente, mais voilà. «
c'était une excellente école que de faire jusqu'ici sur 250 dates. Je crois que j'ai fait, j'ai dû faire 200 dates en tant que première partie, à une ou deux dates près, quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une excellente école parce qu'on arrive toujours en tant qu'inconnu, du coup, avant une tête d'affiche. Et j'adore le fait d'arriver face à un public qui ne connaît rien de toi. J'adore ça. Et j'espère qu'en fait, ça ne changera pas, ce qui revient à me souhaiter que mon projet ne marche jamais. Mais quelque part, c'est un peu ce que j'aimerais, quoi.